sous l'égide de Gisèle Haoussi, socio-anthropologue et vice-coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, les battants du cheval blanc de la 11e circonscription électorale ont célébré en différé la Journée internationale de la femme le dimanche 27 mars 2022 à la Maison des Jeunes de Coulon. Vous que tous les leaders politiques du Bloc républicain nous ont chouchoutés. Je remercie particulièrement le président Emmanuel Golou qui est resté à nos côtés pour nous soutenir. Et le seul député du Bloc républicain, l'honorable Bangba David, aussi était à notre côté. Et il a aussi profité, puisque c'est eux les législateurs, il a profité pour sensibiliser, pour informer les femmes de toutes les lois qu'ils ont votées à notre endroit à l'Assemblée. Présent à leur côté, le député David Bangba leur a demandé de remercier le président Patrice Talon qui n'a politiquement cessé d'accorder aux femmes des valeurs particulières. En voyant nos mamans, les femmes républicaines, c'était une joie totale pour nous parce qu'elles sont des anges. Ce sont les femmes qui sont à l'honneur et c'est par la femme que Dieu a été satisfait de sa créature. Ce n'est pas la femme que tout peut se faire. Ce n'est pas la femme que nous pouvons bâtir, nous pouvons construire, nous pouvons élever. C'est pour cela que nous sommes venus vraiment les soutenir. Acteurs politiques présents sur les lieux déclarent. Comme vous le savez, les femmes ne peuvent pas bouger sans les hommes. Nous sommes tenus d'être aux côtés des femmes pour les soutenir et pour soutenir l'organisation des femmes, car si on le sait très bien, les femmes constituent l'épine dorsale. Nous aujourd'hui, c'est la promotion, c'est de promouvoir les femmes, c'est de les mettre à des postes de responsabilité, c'est de les conduire à prendre les décisions. Si belle qu'elle était dans leurs uniformes, reflétait la couleur du parti, plus de doute pour les grandes victoires prochaines.